Bonjour à tous, deuxième petite vidéo en ce dimanche 4 juillet. Donc ça sera une nouvelle vidéo, ça sera habillage, parce que je me suis pris quelques petites affaires. Donc ça sera une toute première que je vais faire de ça. Donc voilà, il n'y a pas de raison que des youtubeuses hein, fassent des vidéos d'essayage que nous les hommes on n'a pas le droit de le faire, voilà tout simplement. Donc c'est pas un reproche hein, n'allez pas penser tout de suite que je me moque de ceux qui font ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout, voilà, c'est juste pour dire voilà pourquoi pas nous les hommes aussi, pourquoi pas on n'aura pas le droit de faire des petites vidéos d'essayage de vêtements, voilà tout simplement. Donc, il y aura des maillots de corps et il y aura des caleçons. Donc, bien sûr, j'aurai un autre truc en dessous, bien sûr. Mais bon, j'aurai les gambettes à l'air, mais j'aurai quand même un truc en dessous en plus pour éviter trop montrer les formes. Voilà. Donc, on va commencer par le petit haut, par les petits hauts. Donc, il n'y en a pas 10 000 et des 100 non plus, hein. Donc, déjà, je vais vous montrer déjà. Et après, on va attaquer les essayages. Bon, bien sûr, c'est tout ça que j'ai acheté au marché portugais, bien sûr. Hein. Alors, donc là, je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre, c'est mieux parce que comme ça, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas l'autre abruti en face qui est tout le temps à la fenêtre, qui est en train de mater. Donc là, j'ai payé 5 euros. 5 euros au marché. Oh mon bébé! Donc j'ai trouvé ça super sympa, super joli. Donc ça va être des plumes, genre de petits points, style un peu étoilé. Voilà, comme ça se machine. Donc dites-moi hein, qu'est-ce que vous en pensez aussi hein, en dessous de la barre d'infos. Si vous aimez bien, si vous aimez pas. Après, bien sûr, hein, chacun ses goûts. Hein. Chacun ses goûts. On peut pas tout aimer, malheureusement. Voilà. Donc, c'est parti. On va essayer. Donc, je vous mets sur pause et je vais l'essayer. Donc, un petit problème avec le truc. Je sais pas qui c'est là, le truc, il veut pas se mettre aujourd'hui. Donc, voilà, ça donne ça. Voilà, il n'est pas trop ni trop court. Voilà, ça avec des petites plumes, comme j'adore, avec des feuilles et tout. Franchement, j'aime bien. Je suis à l'aise dedans. Bien sûr, je fais taille XL, bien sûr. Hein. Donc le derrière, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Le derrière est comme ça. Avec le col Mao, j'aime bien ce genre de col comme ça en Mao. J'aime pas quand ça soit en V. Quand tu étais jeune, bah, t'avais que ça, mais t'avais pas le choix, t'étais habitué à ça. Mais après, quand ils ont commencé à faire des cols en col Mao, j'ai tout de suite apprécié. Et ça fait plus classe. Là, pour l'instant, je me regarde dans la glace aussi en même temps. Voilà, vous voyez, c'est pas trop. Oui, c'est pas trop haut, pas trop bas. C'est à peu près en dessous de la ceinture pour nous les hommes. Voilà. Donc voilà, dites-moi. Il y a la vieille qui est là. Ils sont en casse-doute si je me mets tout nu, on ne sait jamais. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour ce premier petit maillot de corps. Bien sûr, ça y est. Tu m'aurais dit le contraire, ça, hein, voilà. Et il est chiant le truc aujourd'hui là. Ça parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. C'est pour ça. Il a pas envie le truc. Donc au suivant. Tant. Donc le deuxième, c'est toujours pareil, 5 euros. Toujours marché portugais. Taille XL. Donc on va essayer. Oh mon bébé.
T'as le bébé qui est là, il est content, il a plein de sa sac. Tiens, miaou. Comme il adore les sacs. Donc pareil, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous aimez. Au moins, ça me change des maillots de corps basiques. Hein, voilà. J'ai voulu changer un petit peu de mode machin. Marie que voilà, j'aime bien les autres que j'ai aussi. Hein. Mais j'ai pas mal de maillots que j'en ai un petit peu marre de mettre. Ça fait des années, des années, des années que je les mets. Et puis bah, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc je sens que je vais refaire un tri. Donc voilà. Donc c'est parti pour les essayages. Et voilà pour le deuxième. Donc pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez bien. Donc voilà, il y a des petites fleurs et tout. Type un peu tropicaux, tropical, je sais pas comment on dit, je crois que c'est tropical. Donc voilà, on voit bien mes pectoraux. Voilà, ma musculature. On voit bien la gonflette. Vous voyez, voilà. Vous voyez mes pectoraux? Ça, c'est mieux, ça. Pas longtemps. Hein. Deux secondes. Donc le bas, pareil, hein, pas trop, voilà, pas trop grand ni trop petit. Pareil, taille XL. Voilà. Le cucu. Le derrière. Voilà. Voilà ce que ça donne le derrière. Poupoupidou. Ouh. Ah, il faut que je montre mes pectoraux. Si je vous montre mon gros ventre, ça va pas le faire. Moi avec les pectoraux, ça va mieux, ça fait plus l'image plus virile. Et voilà, donc dites-moi en dessous de la rane barre d'infos, dites-moi. Et il veut pas se mettre cet abruti là. Dites-moi que ce putain, quel drôle de mannequin que je fais là, putain. Je suis en train de gueuler après le trépied. Dites-moi en dessous de la barre d'infos, même Blanco il veut essayer aussi. En dessous de la barre d'infos, pour vous dites que si vous avez bien aimé ou si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, donc ça c'est 5 euros au marché. On va attaquer le troisième. Donc voilà le troisième que je me suis pris. Donc ce côté-là c'est normal, c'est tout rouge. Et ce côté-là. C'est côté chinois ou japonais. Franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que le design, il est très 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 joli. J'aime bien aussi tout ce qui est culture un peu japonais, chinois, j'adore ça. Tout ce qui est dragon. Donc bien sûr, hein, le plus mon top numéro 1, bien sûr, c'est les Indiens, les Américains et les cow-boys. Mais en deuxième position, c'est tout ce qui est... tout ce qui est chinois, japonais, vietnamien. Voilà, c'est mon deuxième dada. Voilà. Donc dites-moi pareil, qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien ou pas, toi qui aimes bien chinois? Voilà, la même. Elle est là. Ah, elle a les yeux qui brillent. C'est mon bébé. Vous voulez voir la vieille? Regardez, elle est là. Et je laisse faire. Oh, je papouille, je papouille, je papouille, je papouille, je papouille. Regardez-le. Et pourtant, les chats, ils aiment pas qu'on leur touche leur ventre. Hein. Regardez-le. C'est un chat malheureux, ça. Hein, franchement. Est-ce que c'est un chat malheureux? Hein, mon bébé. Oh, bah oui. Hein. Regardez, les quatre pattes en l'air. Il me dit, maman, tu peux me caresser le ventre. J'aime bien ça. Oh. Et Bagheera, c'est pareil. Le premier chat qu'on avait, tout noir, c'est pareil. Là. Il adorait qu'on lui fasse des papouilles sur le ventre. À part ça, c'est un chat malheureux, ça. Hein. Donc, on n'est pas venu pour parler du chat, on est venu parler de moi. Voilà. Donc, c'est parti pour le troisième essayage. Et c'est parti! Voilà le troisième maillot.
le troisième petit maillot. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais reculer. On va descendre un petit peu. Voilà, donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, si vous aimez pas. Bon, par contre, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Je connais pas la langue chinoise ou japonais. Mais mon bas, j'ai du mal à lire. Donc vous, si vous arrivez à lire, bah, tant mieux. Moi, j'ai du mal. Donc pareil, je suis bien dedans. Peut-être un petit peu serré au niveau des pectoraux. Parce que comme je suis de la muscu, donc voilà. Donc ça fait monter un peu les pectoraux. Donc derrière, c'est un truc tout simple, hein, tout rouge. Comme les taureaux. Voilà, je remonte mes pectoraux. Voilà, mes abdos qui sont là. Je ne vous les montrerai pas, sinon il y en a qui vont être jaloux. C'est la mes tablettes de chocolat. Merde, j'aurais dû prendre une tablette de chocolat. Oh, enrobée de chocolat à l'intérieur. Ça, c'est des pectoraux. Enfin, je vous le dis, moi. Moi, je vous le dis, moi. Moi, je vous le dis, c'est des pectoraux, ça. Regardez. Regardez cette paire de pecs. Hein, ça, c'est des pecs, ça. Moi, je te le dis, moi. Donc, je pense qu'il est un petit peu, légèrement, un petit peu plus bas que les deux autres. Voilà. Ouais. Ça descend presque, bah, presque en dessous des fesses. Pas trop, mais pas loin. Ah, il était cradonné, toi. Merde, c'est mon maillot. Tchou. Donc, pareil, dites-moi sur en dessous. Je sais, je me répète, mais dites-moi sur Ah, tu te répètes beaucoup, hein. Si vous aimez ou si vous aimez pas. Ben, c'est normal, c'est une première. Attends. J'ai jamais fait ça de ma vie, faire le mannequin homme. Donc, voilà. Donc maintenant, on va tester les slibards. Les slibards. Donc, j'ai pris celui-là. Oh, il est mignon. Ben justement, c'est, il est mignon. Hop, tiens mon bébé. Donc, voilà. C'est les mignons. Pour 2 euros. 2 euros. Qui dit mieux? 2 euros, mes enfants, 2 euros. Ah, c'est marqué dessus. Les mignons. Voilà. Et derrière, c'est marqué Beau Red. Ouais, je crois que ça doit être ça. Beau Red. Voilà. Derrière, c'est marqué Beau Red. Donc, c'est la première fois que j'ai des caleçons comme ça. Vraiment, toute première fois. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour l'essayage. Donc voilà. Donc voilà, voilà mon maillot de corps, voilà. Voilà mon slibard. Il est beau, hein. Il est beau, mon slibard. Oh, t'as les collines de rire. Regardez la vieille à l'école. Le jaune poussin, les collines de rire. Ah, les mignons, les mignons. Mais quoi? C'est mignon. Oh, t'es mignon, les mignons. Donc voilà les mignons. T'es mignon quoi? Voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est quoi qui est mignon? Donc voilà, c'est les mignons. Voilà. 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 Donc le derrière. Tu poutes trop de pain en même temps. Voilà. Voilà. C'est bête, regarde. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'ai pas, ils ont du mal à voir. Guillaume, maintenant il fait des striptease à la caméra maintenant. Ben, je sais pas si vous voyez bien. Ta-dam, 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 ta-dam. Donc voilà, celui-là, le premier. Le premier. Après, si je suis comme ça. Ça me fait envie. Ouais, mais oui, sinon, ils voient pas. Il voyait très bien. Voilà. J'ai pas besoin de te mettre aussi près. Béon. Ouais, descend du lit là. Donc voilà. Ah si, il voit mieux comme ça. Ça va vite à l'étiquette qui te colle. Donc je m'en suis mis, il est mieux comme ça, on voit mieux. Donc voilà, le premier des mignons. Moi j'aime bien.
Je suis à l'aise. Enfin, pas trop parce que j'ai mon deuxième caleçon en dessous, c'est Bah normal, hein. non. Je l'ai gardé sur moi, bien sûr, hein. Il est là. Nanin! Donc, je les mets en dessous, voilà. Le premier, le deuxième. Oh non, pas la vieille. Donc, le deuxième calgon. Bah c'est Marvel, c'est style un peu Avenger. Donc, c'est celui-là, j'ai pris. Toujours à 2 euros. Vous voyez, hein, y a Thor, il y a Hulk, il y a Captain America, il y a Iron Man, Spider-Man. Par contre, les autres, je connais pas trop. Voilà, je connais vraiment pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Peut-être par la suite, on les verra sûrement dans les films de Marvel. Voilà. Et devant, bah, c'est pareil. Voilà. Bien sûr, c'est marqué Marvel. Voilà, donc c'est parti pour le deuxième essayage. Le caleçon. Donc voilà le deuxième. Il est plus Voilà. court celui-là. Mais comme Cécile a dit, oui, c'est vrai, celui-là il est plus court. L'autre, il m'allait à peu près là. Celui-là, il est légèrement un petit peu plus court, c'est vrai. Et même plus court que celui que j'ai même d'ailleurs en dessous. Ouais, vous voyez la différence? Il y a moins de ça de différence. Mais on s'en bat les cacahuètes. Hein. Du moins que ça reste un caleçon qui me va. Liouk. Soyez Hulk, hein. Ouais, je veux voir Tu lui. cherches, il est là, Hulk. Ah ouais. Ah ouais. Donc le derrière, ça fait ça. Il n'y en a qu'un que. Mais non, il y a en plusieurs modèles. Ah oui, il est là aussi. Bon, je sais pas si vous voyez, parce que moi je vois pas. Oui, devant, t'as Batman. Spider-Man devant. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je suis assez à l'aise. Après, on verra aussi pour le bah, au niveau du lavage. Si, bah, si le bordel il va pas rétrécir ou au niveau des dessins, ça va pas s'enlever. Je pense peut-être à la fin de les nettoyer, peut-être. Laver à l'envers. Ouais, ou alors les laver, comme Cécile a dit, les laver à l'envers. Donc voilà. Donc si je m'entre mes pectoraux, voilà. Voilà. Avec l'étiquette. Hop. Putain, c'est dur d'être mannequin. Ensuite, le dernier. Tiens, enfin, le sac. Donc, le dernier, c'est Spider-Man. Donc, bien sûr, toujours à 2 euros. Spider-Man. Ouais. Il en avait plein, hein. Il y avait encore une autre sorte des mignons. Mais il y avait carrément toute la trilogie des mignons. Il y avait Batman. Deux sortes de Batman aussi. Il y avait encore un autre truc de Spider-Man. Il y avait quoi encore? Il y avait Star Wars aussi. Il y avait encore pas mal de trucs. Donc il voulait me faire les 5 les 5 comment ça s'appelle les 5 les 5 boxeurs pour 10 euros et il m'en offrait deux en cadeau. C'était bien. Du bout de bavé. Parce que j'ai pas voulu, c'est tout. Je dis on verra ça la semaine prochaine, la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est Superman. Voilà, je sais pas si on le voit vraiment bien, 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 bien. Voilà, Superman. Tant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 
et faire un tri. Donc voilà, pour franchement, dites-moi si pour un boxeur comme ça de Marvel, que normalement ça doit coûter plus de 15 € ou 20 € le boxeur, dites-moi si franchement 2 € c'est cher. Dites-moi franchement. Donc, bien sûr, c'est parti pour le nettoyage. Nettoyage. Essayage. Et voilà mon Superman. Donc pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ce côté devant, ce côté derrière, avec l'étiquette. Bidou. Donc voilà, donc pareil, hein, je suis un beau petit cul. Hein. Donc je suis bien dedans. Donc pareil, c'est un peu serré, enfin serré. Il est un petit peu court au niveau au niveau de la taille au bordel, mais ça va. Ça va pour l'instant. En plus, c'est une matière assez douce à au toucher. Donc ça va. Pour l'instant, je suis bien, je suis très bien dedans. Après, bien sûr, on verra après au niveau de une fois qu'il va être lavé, qu'est-ce que ça va donner. Donc bien sûr, c'est marqué Superman. Donc voilà. Voilà. C'est grave, docteur. Et voilà, c'est fini. Fini les Ma petits bébé trucs. regardait désespéré. Mon bébé, oui, Désespéré. Dis-moi ton cas, il est désespéré. et je me suis pris une caquette. Pas une caquette, Je une me suis pris casquette. une caquette. Caquette, j'en ai marre de mettre leur truc bleu là sur la tête. Ça fait l'impression que tu arrives à l'hôpital, puis ils vont t'opérer, je sais pas quoi là. Que Que tu vas au bloc. tu es prêt à être opéré Au bloc. au bloc carrément. Donc ça me saoule un petit peu. Donc, comme là-bas où j'étais avant, bah, j'étais trop habitué à la caquette. Donc du coup, je me suis repris une caquette. Ouais, mais est-ce que t'as le droit à la casquette là-bas? Bah bien sûr, tu crois comment ils s'habillent les autres Ah, ils ont une casquette? Bah il y en a qui ont carrément le bonnet, il y en a ils ont des casquettes, et il y en a qui ont je sais pas quoi, une genre de bonnet. Mais ils leur disent rien, du moment que le travail est fait, ils s'en battent des cacahuètes si t'as une caquette ou t'as pas de caquette. Donc bien sûr, hein. Elle va être un petit peu dure au départ parce que elle est toute neuve. Donc j'ai pris une caquette toute simple, avec rien écrit dessus, comme vous savez les gars, c'est marqué N Une N quéquette unique, N l'unique. N P ou N je sais plus quoi là. Donc j'ai pris carrément uni 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 uni, tranquillou. Voilà. Donc moi je le mets comme ça, hop. Faudra qu'elle se prenne la forme. Voilà. Donc voilà. Moi, je suis mieux. Je suis mieux avec la caquette. Je trouve qu'elle est en largeur. Je trouve qu'elle est encore un petit peu grande au niveau de là. Mais au moins, d'un côté, ça va me protéger quand je fais les poussières. Au moins, ça tombera pas dans les cheveux. Et moi, si ça tombe sur la casquette, moi, je m'en fous. Les casquettes, ça se lave. Hein. Donc voilà. Donc ça donne ça, ce côté. Le derrière, ça scratch. J'aurais préféré au truc, là, au ferraille. Puis tu as un truc qui slip, là. Je sais pas comment on appelle ça. Qui clip, là. Qui slip. Qui clip. Qui clique. Préférer ça, mais bon. Pression. À pression, voilà. Et pas à bouton, en truc ferraille. Vous savez, le truc Oui, est une stock. pression. Donc voilà. De toute façon, moi, je suis plus habitué à la caquette. Donc là, au bout d'un moment, bah, le bordel, il va être moins dur. Il sera un petit peu plus mou. Et le truc va carrément prendre la forme de ma tête. Voilà. Donc moi, j'aime bien.
Et ça, c'était 5 euros. 5 euros la caquette. Voilà. Bon, voilà. Donc, dites-moi si vous en pensez. Yaman. Yaman. Ah. Voilà. Ouais. Victoire. J'ai fini. Bah, du coup, je reste en caleçon. Regardez la vieille. La meuf tranquille, peinard. Eh oui, c'est ça, nous, le dimanche. On est peinard naoud. Vous avez déjà vu un poussin qui rigole? Bah, vous voyez la preuve. Le poussin qui rigole. Et on a mis le truc de Ambre. Poussin la Aïe! vieille. C'est beaucoup ça. Voilà, on l'a omis. Par contre, il est légèrement un petit peu petit parce que comme le coussin il est un peu grand, donc c'est pour ça il est bien gonflé. Mais bon, moi j'ai eu du mal à le mettre, mais Cécile l'a réussi. Donc c'est le cadeau de Ambre. Voilà, c'est marqué Cécile et Ambre. Et derrière, bah, il y a notre abonnée et charmante Ambre qui est là. Voilà. Qui est juste une abonnée qui n'est pas youtubeuse. Hein. C'est juste une amie et une abonnée sur notre chaîne. Moi, je pense que vous la connaissez tous. Hein. Elle vient souvent sur les lives et tout ça. Donc, vous la connaissez tous. Et puis, la sœur de Cécile, bah, elle est là. C'est bizarre, elle se ressemble. Hein. On dirait des jumelles. À part que là, elle a plus de mèches que toi. T'as vu? C'est bizarre. Hein. Mais ça va, c'est une bombe atomique aussi, pareil. Regardez les beaux yeux bleus qu'elle a. Tiens, ton poussin. Aïe, ça fait bobo. Donc, ben voilà. Bon, voilà, c'était une petite vidéo sympathique. Ah, quand même, 27 minutes, quand même. Petite vidéo sympathique d'essayage de vêtements. Donc comme je vous dis, hein, c'est une toute première que je fais. Hein, j'ai pas eu honte de le faire, hein, je m'en fous. Hein. De toute façon, hein, on est comme on est, qu'on soit gros, mince, petit, grand, belle gueule ou pas belle gueule. Hein, on est comme on est. Voilà. Donc j'espère qu'à l'occasion, bah, il y aura d'autres petites vidéos. Enfin, si ça vous a plu, bien sûr, si ça vous a plu, bah, j'essaierai de refaire une autre petite vidéo de nous fait quoi là? D'essayage. Donc bah Wally, quoi. Putain, il y a tout de la lumière, putain, comment il chauffe. Bon, ça c'est pareil, c'est le cadeau de Ambre. Il chauffe le bordel. Tu fais quoi avec la meumeu là? C'est ma meule. Vas-y, ma meumeu. Regardez la meuf. Oh, c'est Ma ma meumeu. meule. Oh, c'est ma meumeu. C'est mon chat. Là, c'est mon chat. Voilà, c'est son chat. C'est son chat. Et puis il y a le cadeau de Véronique aussi, du dauphin licorne qui est là, avec le toutou. Et des fois, quand on met tout sur le lit, il n'y a plus de place. Je suis obligé de tout dégager. Donc, voilà. Et voilà, et voici le fameux petit cochon. Ah oui, mais ses chaussettes qui puent à chaque Bonjour, fois dessus. mes amis, comment allez-vous, mes amis? Ça va, mes amis? Je vous fais des gros bisous. Boudou, boudou, boudou. Poupou, pidou. Le petit cochon. Voilà, on l'a lavé depuis qu'on l'a lavé. Franchement, il est tout propre. Ouais, j'arrête pas de laver parce qu'il m'arrête pas de mettre ses chaussettes qui puent C'est vrai, dessus. il a une bonne bouille. Il change de conversation à chaque Il fois. a une bonne bouille, le petit cochon, regarde. Mouais, 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 mouais. Voilà, le petit cochonnette. Donc voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager si on est la petite chose et de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, bah, allez-y, abonnez-vous. Si vous aimez notre tronche, bah, il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas, ben... La porte est grande ouverte pour vous. Et si vous ne nous aimez pas, bah, restez où vous êtes. La porte sera fermée pour vous. Voilà, voilà.
Donc n'oubliez pas d'aller aussi sur la chaîne de Queen Sissi pour ceux qui ne la connaissent pas et pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ainsi que ma deuxième chaîne, l'univers painting et création. Ouais, oui, j'ai fait de la pub. Donc n'oubliez pas aussi d'aller sur les autres petites chaînes que je vous ai proposées sur les intros. On a oublié. Hein. Quoi? Bah oui. Quoi? Je ne comprends pas là. On a oublié dans tes intros. Mais non, j'ai tout mis. J'ai oublié quoi? D'oublier à vos poils. À vos poils, j'ai mis à vos poils. Non. Si. Non. Si. Je l'ai pas vu. Si, j'ai mis. Ah ben, il faudrait que tu me montres où alors, parce que je l'ai pas vu. Mais il y a des gens, ils mettent pas d'intro. C'est direct comme nous. Il n'y a pas d'intro, donc j'ai essayé de mettre quand ils disent bonjour. Voilà, une nouvelle vidéo, naninanana. Et j'ai mis la fin. Mais il n'y a pas d'intro. Il y en a, ils y mettent d'intro et il y en a d'autres, bah, comme nous, qui c'est direct. C'est du direct. Mais à vos poils, j'ai mis à vos poils. Madame Cuisine, j'ai mis. Je sais pas qui c'est. Béa, j'ai mis. OLG, j'ai mis parce qu'elle m'a remercié. Oui. J'ai refait celle de Laetitia. Je l'avais mal fait la dernière fois. Nathalie Praline, je l'ai refait correctement. J'ai mis Créa CC, elle m'a remercié. Je crois que j'ai mis Gwen Scrap aussi, j'ai mis. J'ai mis Laura. Ça, j'ai vu que c'était... J'ai mis ma chaîne L'Univers Painting. Et les autres aussi. Et puis j'ai mis ta soeur. Oui, bah c'est pas grave, j'ai mis toi-même. Voilà. Au moins, moi, ça montre que moi, je mets. Voilà, on voit la différence entre youtubeurs et youtubeurs. T'en as qui ont des cœurs et d'autres, ils s'en battent les couilles. Oui. En fait, on voulait dire aussi pour les cadeaux, là, pour les loups, pour les filles qui ont gagné... Je l'aurais dit déjà. Au concours. J'ai dit. Non, parce qu'on est venu nous réclamer en message. Non, mais je l'ai dit. J'ai gagné, il me semble bien que j'ai gagné au concours... C'est bizarre, j'ai toujours pas reçu le lot. Bon. Donc, je dis rien sans commentaire. Et juste pour préciser que dans une vidéo, on en avait parlé. Hein. Donc, ça, c'est encore la fille qui regarde pas trop les vidéos. Mais... Bon. Enfin, bref. Sur ce, on va vous laisser. Oui, on va vous laisser. Donc vous ne voyez pas de laquais de qui a fait son défilé de mannequins. Bah oui, il n'y a pas de raison. Sans abdos. Donc abdos. Parce que ça c'est. Sans abdos. Tablette de chocolat. Abdos. Fourré au chocolat. Si mes abdos ils sont en dessous de la tablette. C'est ça qu'on mange bien à la maison. Non parce que voilà. Bah, c'est ça quand tu prends de l'âge, bah, nous les hommes, vous les femmes c'est des poignées d'amour et nous bah, c'est le ventre, hein. c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça et on n'y peut rien, voilà, wali walou, on est comme on est, voilà, moi je m'en bats les cacahuètes que j'ai un gros ventre, je m'en bats les cacahuètes, je m'en fous, je suis comme je suis, en même temps comme je suis, celui qui ne m'aime pas, bah, comme j'ai dit, bah, il dégage, hein. C'est tout simplement. Wali Walou. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous fais de gros bisous. Et à une prochaine petite défilé de mannequinerie homme. Bisounette, ciao ciao.